Salut à tous, c'est Étienne et aujourd'hui je vais vous présenter comment bien démarrer un projet sur DaVinci Resolve. Quand on ouvre DaVinci Resolve, on tombe sur cette page qui vous présente la database. Il faut savoir que DaVinci Resolve ne fonctionne pas comme Premiere ou Final Cut avec des projets qui peuvent être déplacés là où bon nous semble. DaVinci Resolve travaille avec une database, c'est-à-dire un dossier avec des sous-dossiers spécifiques qui forment une arborescence où à l'intérieur se situe le projet. Comme vous le constatez dans ma database, il y a des dossiers pour bien ranger mes projets. C'est très important de faire des petits dossiers puis des sous-dossiers en fonction de ces projets pour pas que ce soit le bazar. Une fois qu'on est dans notre dossier, on crée son projet, donc en clic droit, Nouveau projet. Une fois le projet créé, on peut glisser ses vidéos et ses sons prêts à monter dans cette partie-là. Dans le logiciel DaVinci Resolve, il y a plusieurs parties. En bas du logiciel, il y a différents onglets. Il y a ce premier onglet qui permet de gérer les médias, c'est là où on a importé nos vidéos et nos sons. Nous avons ensuite un autre onglet qui permet de faire du pré-montage. Donc ça, c'est la partie qui est très utile pour le réalisateur ou pour vous pour faire quelque chose d'assez simple, le schéma de votre montage. Et puis après, pour finaliser un petit peu mieux le montage, vous allez dans la partie Edit où vous pouvez ajuster les transitions, ajuster votre son un petit peu plus précisément. Sur l'onglet suivant, nous avons le Fusion. Fusion, c'est une fonction qui permet de faire des effets spéciaux. Donc c'est un peu l'équivalent d'After Effects, mais qui est directement inclus dans ce logiciel-là. Nous avons ensuite l'onglet Color, qui permet de faire la retouche colorimétrique. C'est l'équivalent de Lumetri sur Premiere, par exemple. Ensuite, nous avons l'onglet Fairlight, qui est l'outil de mixage sonore. Donc c'est un outil vraiment très pointu pour faire du mixage, qui demande quelques connaissances en son. Et puis enfin, le dernier onglet qui permet de faire des exports, c'est l'onglet de rendu. Donc c'est là où vous allez la sortir pour la publier sur les réseaux sociaux ou pour la diffuser sur un ordinateur. Je vous présente aussi l'endroit où vous pouvez personnaliser votre clavier parce que ça va être important au moment où vous montez d'avoir un clavier qui vous convient avec des raccourcis qui vous conviennent. Surtout si vous venez d'un autre logiciel et que vous avez l'habitude de d'autres raccourcis, vous pourrez recréer vos raccourcis de Final Cut par exemple. Un dernier point important, c'est de bien paramétrer son projet. Donc dans ce panneau, vous trouvez tous les paramètres de projet, les formats, les tailles d'image, les paramètres colorimétriques, enfin tout un tas d'options sur lesquelles je pourrais revenir dans d'autres tutos. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels. En attendant, vous pouvez commenter et vous abonner à la chaîne.